Mélanie! Voilà, madame! Mais enfin, Mélanie, est-ce que mon bain est prêt, voyons? Mais oui, madame! La baronne de l'entresol ne craint ni l'amour ni le viol. Le plombier est venu ce matin, elle s'est mise dans son bain. Elle était toute nue dans l'eau, lui ne voyait que ses tuyaux. Et quand la baronne a toussé, il a dit tout embarrassé: je n'avais pas vu que vous étiez dans la baignoire. Ah, si j'avais su que j'allais voir vos seins d'ivoire, je n'aurais pas eu ce chandail sale et ces mains noires. Oh, si j'avais su, si j'avais pu prévoir. Mais maintenant que j'ai vu que vous étiez dans la baignoire, vous avez bien dû prévoir que je voudrais revoir votre gorge nue, vos seins d'ivoire. Et pour mieux les voir, je reviendrai ce soir. Que faut-il pour un peu de chic? Une cravate automatique et des manchettes élastiques, un chapeau mou des prises uniques. Il mit du parfum sur le tout et de la poudre un peu partout, dégoulinant de gomina. Chez la baronne, il retourna. J'avais très bien vu que vous étiez dans la baignoire. J'avais très bien vu vos deux seins nus, vos bras d'ivoire. Ah, si j'avais su que vous fassiez si peu d'histoire, vous auriez pu m'avoir dimanche au soir. Mais quand elle a vu qu'il avait lavé ses mains noires et qu'il n'avait plus l'air d'un voyou sur le trottoir, la baronne a dit: monsieur, bonsoir. Veuillez, je vous prie, réparer la baignoire.